Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment, vraiment super contente de vous retrouver. Je sais, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. 3 mois. 3 mois. C'est énorme. Mais je reviens enfin sur YouTube. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi ça a mis autant de temps, parce que j'ai envie de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais en fait, tout simplement, j'ai déménagé. Voilà, Pauline et moi, on a acheté notre première maison. Beaucoup de choses à gérer, des travaux à faire, c'est pas encore complètement fini, comme vous le voyez derrière. Donc ça, c'est mon nouveau studio, qui est dans une pièce maintenant totalement dédiée à ça, qui n'est plus dans le salon. Donc ça, c'est un pur bonheur. Mais du coup, il y a encore quelques petites choses à faire. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de déco. J'ai quand même essayé de faire quelques petites choses pour cette vidéo. Mais en termes de déco, ça va être repeint sûrement derrière, des étagères, un peu plus de déco, etc. Mais en attendant, je ne voulais pas attendre de finir le studio pour tourner mes premières vidéos. Sinon, ça allait me prendre un peu de temps. Et déjà, 3 mois, c'est énorme sur YouTube. Ça m'a énormément manqué. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt cool qui va vous permettre, si vous êtes vidéaste et surtout youtubeur, de vraiment passer un level dans vos vidéos, un gros gap. Tout simplement parce que je vais vous parler de plugins et particulièrement des plugins de Motion VFX. Motion VFX m'a contacté il y a quelques mois déjà pour parler de leurs produits, pour savoir si j'acceptais de parler de leurs produits. Donc cette vidéo est en partenariat avec Motion VFX, qui m'a gentiment donné des plugins pour que je vous en parle un peu en vidéo. Je suis absolument pas payée par Motion VFX pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je dis ce que moi j'ai envie, si ça me plaît pas je le dis, si ça me plaît je le dis. Donc vraiment en toute transparence, vous aurez un lien en description si vous êtes intéressé par les produits de Motion VFX dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et si vous passez par ce lien, qui est un lien tout simplement sponsorisé, ça aide un peu la chaîne parce que je récupère une petite commission là-dessus. Donc si ça vous tente, si ça vous donne envie d'aider la chaîne, de découvrir ces produits qui sont vraiment vraiment quali, n'hésitez pas à passer par ce lien, ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie. Motion VFX, c'est une entreprise qui crée des plugins tout simplement à rajouter à vos vidéos. Ils sont particulièrement spécialisés dans Final Cut Pro et DaVinci Resolve, mais ils ont créé aussi également des plugins pour Premiere Pro. Donc il y a beaucoup de plugins pour Final Cut, mais il y en a aussi quelques-uns pour Premiere Pro. C'est des plugins qui sont hyper intéressants et qui permettent vraiment un gap énorme sur vos vidéos. C'est une entreprise qui est un peu une référence en termes de plugins. Dès que vous mettez sur Google plugin Final Cut Pro par exemple, c'est le premier site qui ressort. Et si je parle de référence aussi, c'est parce qu'ils ont un partenariat entre guillemets avec Apple, c'est-à-dire qu'ils sont directement visibles sur le shop d'Apple quand vous cherchez des plugins pour Mac, donc pour Final Cut Pro forcément qui a un logiciel Mac, ce que je trouve hyper rassurant parce que je me dis que si Apple fait confiance à cette société, c'est qu'ils ont quand même fait leur petite recherche et que c'est une société sérieuse. Et au-delà de la confiance qu'a apporté Apple à cette entreprise, c'est aussi une entreprise, Motion VFX, qui fait des partenariats avec des youtubeurs. Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur MKBHD, qui est un youtubeur américain de tech énorme, qui a une très grosse communauté, qui est très connu et qui vient de sortir récemment, je crois, un partenariat avec une collaboration de plugins directement avec lui. Je vous mets de toute façon les liens en description si vous voulez avoir accès directement à ces plugins-là qui sont très intéressants. Donc pour moi, Motion VFX, c'est vraiment un site de confiance. C'est très qualitatif. Voilà, moi j'ai essayé différents de leurs plugins, donc je vais vous parler aujourd'hui. Et ils ont également des plugins gratuits, ce qui est hyper intéressant. Ils ont des plugins de vidéos verticales pour directement avoir sur Final Cut Pro le calque pour faire des vidéos en vertical pour TikTok, pour Instagram, etc. Et il y a plusieurs autres petites choses gratuites qui peuvent être intéressantes déjà pour, si vous voulez, tout simplement tester les produits. Et il y a énormément de contenu de vidéos pour vous montrer un petit peu les différents aspects de ces différents plugins. Ce que j'aime beaucoup dans Motion VFX, c'est également qu'il y a énormément de plugins ciblés. C'est-à-dire que vous allez trouver des plugins pour de la fitness, des plugins pour du mariage, des plugins pour du sport, pour des tutos, pour YouTube forcément, dont on va parler particulièrement avec un des plugins qu'ils m'ont donné, MTuber. Il y en a 3 différents, MTuber normal, MTuber 2 et MTuber 3, et du coup voilà, c'est spécialement fait pour les youtubeurs. Et en fait c'est ça que j'aime avec Motion VFX, c'est qu'ils
Vraiment, ils font des choses très ciblées qui peuvent vous aider dans votre création de contenu en fonction de ce que vous faites. Donc je pourrais en parler des heures de ces plugins, mais je me suis dit que c'était quand même vachement plus intéressant de rentrer dans le vif du sujet en vous parlant d'un plugin en particulier qui est hyper intéressant quand vous êtes créateur de contenu pour YouTube particulièrement, parce que du coup c'est le plugin MTuber 2. Moi j'ai voulu avoir accès à MTuber 2 parce que c'est celui que je trouvais le plus intéressant, même s'il y a de tout dans le 3 et dans le premier. Mais voilà, j'ai aimé les choses qu'ils proposaient dans MTuber 2, donc c'est pour ça que je leur ai demandé plutôt qu'ils m'envoient celui-là pour que je puisse vous en parler. Donc ce que j'aime en fait dans ces plugins, c'est la diversité des choses proposées. Vous avez de tout. En fait, en tant que YouTuber, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut, tous les outils pour votre communauté, pour vous, pour vos montages, et ça va tout de suite rendre vos vidéos YouTube beaucoup plus pro, beaucoup plus intéressantes. Il y a des choses forcément que je vais vous montrer là, qui sont dans ce plugin, que vous allez reconnaître, que vous avez déjà vu chez vos YouTubeurs préférés. Je parle particulièrement de la fameuse animation pour s'abonner, que je vous mets actuellement, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Ça c'est disponible dans MTuber 2, MTuber 2. Validez mon accent en commentaire. Du coup, voilà, vous allez retrouver plein de choses comme ça qui font tout de suite beaucoup plus pro dans vos vidéos, plutôt que mettre un pauvre titre s'abonner, c'est pas ouf, ou trouver quelque chose sur YouTube avec du fond vert. C'est comme ça que j'ai commencé à trouver voilà, un s'abonner en fond vert sur YouTube pour le rajouter à vos vidéos, ce qui donne tout de suite un gap aussi dans vos vidéos, mais là vous allez vraiment avoir des choses différentes. Donc on a tout pour le bouton s'abonner. Bien sûr, le bouton s'abonner est complètement personnalisable, donc là vous commencez avec subscribed, renotez mon accent dans les commentaires, mais du coup vous pouvez bien sûr le supprimer et changer en s'abonner tout simplement, c'est beaucoup plus simple, et mettre aussi donc le nombre d'abonnés que vous avez, la petite cloche, il y aura les petits sons avec, etc. Ensuite vous avez aussi tout ce qui va avec le social media, avec des choses qui mènent vers votre chaîne YouTube, votre Instagram, votre Twitter, votre Facebook, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez également donc là vraiment accès YouTube, vous avez de quoi faire des suggestions de vidéos à la fin de vos vidéos YouTube. Vous savez, YouTube permet de suggérer tout simplement différentes vidéos à la fin pour vos abonnés. Donc là, vous avez de quoi en faire plusieurs, comme vous voulez, en fonction de ce que vous propose YouTube. Donc vraiment faire quelque chose de personnalisé avec un fond comme vous le voulez, etc. Et c'est hyper complet, c'est vraiment génial. Et ensuite, vous avez également des titres. Donc les titres, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas le but de ce plugin-là, mais il y en a quand même quelques-uns qui permettent de rajouter quelques petites choses à vos vidéos YouTube. L'avantage, c'est que dans ce pack-là, vous avez quelques titres et vous avez aussi des fonds. Les fonds, c'est hyper intéressant parce que c'est pareil, ça ramène un peu d'animation, autre chose que juste un fond noir et un titre qui apparaît, vous avez de l'animation derrière, et ça vous évite de devoir, si vous n'êtes pas forcément motion designer, etc., devoir faire ça sur After Effects, etc. Ça vous permet d'avoir ça directement, et je trouve que ça ramène vraiment quelque chose à vos vidéos. Et il y a également sur Motion VFX beaucoup de plugins de titres. Donc les titres avec les fonds, c'est hyper hyper intéressant parce que ça rajoute vraiment aussi quelque chose de plus professionnel à vos vidéos. On a également des animations de logo, parce que ça c'est vrai que c'est pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont une chaîne YouTube, ou pas d'ailleurs, mais qui veulent mettre leur logo. Même du coup là ça peut être utile même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais si vous êtes vidéaste et que vous voulez mettre votre logo à la fin ou au début d'une vidéo, typiquement au début ou à la fin de votre vidéo de présentation pour alpaguer un peu des clients, vous pouvez avoir cette animation de logo. Donc vous avez juste à coller votre logo et ensuite le plugin fait tout le boulot, et ça c'est vraiment génial parce que ça vous évite tout simplement de devoir apprendre à faire tout ça sur After Effects. Ce que j'aime avec ce logiciel, c'est que ça vous fait gagner un temps fou, Motion VFX, et ça c'est vraiment magique. Et ensuite vous avez plein de petites choses pour des présentations de produits par exemple, mais vous avez plein de petits pointeurs qui sont hyper intéressants, qui vous permettent voilà, de rendre aussi beaucoup plus pro vos vidéos. Et ça, j'aime particulièrement le zoom quand vous faites une présentation de produit qui peut vraiment rajouter quelque chose. Donc vous voyez dans les images d'illustration, moi je l'ai utilisé, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais ça rajoute vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, des effets de zoom, etc. Et qui vous permettent de gagner énormément de temps parce que vous avez juste à glisser-déposer sur la timeline. Et en fait, le plugin fait tout pour vous, donc c'est vraiment magique parce que moi, je vois vraiment ça comme un gain de temps énorme. Alors c'est sûr que c'est une petite somme. MTuber 2, il est à 99$, donc c'est vrai que ça fait une certaine somme, mais ça va vous faire gagner un temps fou dans vos vidéos YouTube et même vos vidéos pro quand vous allez voir sur les autres plugins, parce que du coup,
vous allez gagner du temps, ce qui va vous permettre de faire plus de vidéos parce que vous allez mettre moins de temps au montage, etc. Et en fait, ça va être un effet boule de neige qui va vous permettre de gagner du temps, donc de l'argent, etc., etc. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Donc j'ai fait un peu le tour de ce qu'on trouve dans MTuber 2 et j'aimerais rapidement aller voir le plugin de titre que j'ai récupéré également. Donc c'est MTitle Hype, que moi j'ai choisi celui-là parce que je trouve hyper intéressant et aussi parce qu'il y a également dans les plugins de titre des fonds et ça je trouve ça vraiment hyper pratique parce que ça vous permet encore une fois d'avoir un fond qui fait beaucoup plus pro quand vous mettez des titres dans vos vidéos. Donc tout simplement, je trouve ça hyper hyper pratique. Et donc vous pouvez choisir, il y en a plein de différents et ça permet de changer un petit peu. Et il y a également des pointeurs, des petites choses à rajouter à vos vidéos qui peuvent vous permettre de faire voilà, des petits fonds et des petits effets un peu sympas et qui peut aussi vous aider si vous voulez créer un peu une intro en motion design. C'est vraiment très utile tous ces petits outils-là tout simplement. Et du coup, vous avez accès à plein de titres différents qui sont hyper hyper intéressants, qui donnent des choses vraiment différentes à toutes vos vidéos. Moi j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que les typographies étaient hyper intéressantes et hyper modernes, du coup j'ai beaucoup aimé, mais il y en a plusieurs, hein, des plugins de titre, donc il suffit juste de trouver le plugin qui vous va, le plugin qui vous faut tout simplement en fonction des vidéos que vous réalisez. J'ai fait un peu le tour de Motion VFX pour vous donner une idée et vous expliquer de pourquoi ce site et pourquoi cette entreprise et pourquoi ces plugins sont vraiment hyper utiles. Encore une fois, j'ai pas du tout été payée pour dire tout ça. C'est un ressenti personnel, c'est quelque chose, voilà, c'est un site et c'est des plugins que je trouve vraiment très intéressants. Encore une fois, ils n'ont pas besoin de moi pour se faire connaître, ils n'ont pas besoin de moi pour leur lancer des fleurs, entre guillemets, parce que c'est une entreprise qui a déjà énormément de bons retours, les plugins sont bons. Comme vous le voyez, vous avez forcément reconnu des choses dans MTuber 2 qui vous a fait penser à des vidéos YouTube que vous avez déjà vues de créateurs qui ont fait confiance à ces plugins-là. Donc vraiment, je vous le conseille, si vous avez un peu de sous à investir pour gagner en professionnalisme dans vos vidéos, que ce soit pour vos clients ou pour vos vidéos YouTube, vraiment je vous les conseille parce que c'est hyper quali et ça vous fait vraiment gagner un temps fou. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que pour moi c'est un outil de productivité énorme, parce que bah, ça permet de passer à vraiment quelque chose de beaucoup plus quali et de beaucoup plus rapide dans vos montages. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis trop contente d'être revenue en face cam, ça m'avait manqué et vraiment c'est un bonheur pur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas ça m'a fait un bien fou de revenir face cam. Le décor va changer un jour, ça va mettre un peu de temps parce que il y a beaucoup de travaux à faire un peu partout dans la maison, etc. Définition surtout, c'est le plus long, mais voilà, ça va changer au fur et à mesure, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, mais je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et à très bientôt dans le studio de Caro. Salut.